Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Merci d'être avec nous dans un instant. Jean-Luc Moudin sera avec nous, nouveau maire de LR de Toulouse. Pas nouveau maire, maire oui, réélu. Réélu, Toulouse ouais. Dans un instant. Mais avant, on voulait vous offrir des petits cadeaux. Ouais. Et on va vous offrir des places pour le parc Astérix ce matin. On va vous offrir un séjour pour 4 personnes en famille et ou entre amis. Un hôtel, petit déjeuner, les dîners, les entrées pour 2 jours au parc Astérix. Vous allez me donner un chiffre, Patrick Roger. Allez, c'est parti pour le 18. Tiens, puisqu'on parlait de l'appel du 18 juin tout à l'heure, c'est 18. Parti. Oui, 18. 0826-300-300, 0826-300 pour gagner des places au parc Astérix. A tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h, élection municipale, émission spéciale. Et direction Toulouse ce matin avec le maire LR, Jean-Luc Moudin. Bonjour. Bonjour. Bonjour Jean-Luc Moudin. On parlait d'Astérix. Ouais. Je ne vais pas vous comparer à Astérix, mais quelque part, vous avez résisté en fait aussi un petit peu et vous avez pris de la potion magique parce que vous étiez en difficulté pendant la campagne et vous l'avez emporté au finish, certes, mais même avec un petit peu plus d'avance que ce qu'on pouvait dire la semaine dernière. Oui, je retrouve pratiquement mon score de 2014. Mais vous savez, en 2014, il s'est passé la même chose. C'est-à-dire qu'il y a eu les mêmes sondages, avec les mêmes pronostics qui donnaient mon adversaire, le maire sortant de l'époque, Pierre Cohen, vainqueur. 53%, 52%, 51%, 50,5%, mais toujours pour lui. Ouais. Et cette fois-ci, ça a été exactement la même chose. Et ça se termine exactement pareil, c'est-à-dire à 52% pour moi. Donc c'est pour ça que j'étais serein. La presse, parce que vous aviez une certaine dynamique dans la dernière ligne droite. Oui, on s'est décarcassé. J'ai la chance d'avoir une formidable équipe, à la fois les candidats, mais aussi des amis, des sympathisants, des colistiers, beaucoup d'amis dans la ville qui se sont mobilisés. Et c'est tous ensemble qu'on est allé chercher cette victoire par le dialogue avec les Toulousains. Oui, cela dit, est-ce que ça ressemble aussi à une forme d'avertissement pour ajuster peut-être votre politique dans le nouveau mandat que vous allez avoir donc à la tête de Toulouse sur davantage d'écologie, de considération citoyenne? Écoutez, je ne sais pas s'il faut appeler cela un avertissement. En tout cas, ce que j'ai dit dès hier soir, c'est que j'entendais la demande des Toulousains de davantage d'écologie. Moi-même, pendant 6 ans, avec mon équipe, on a fait beaucoup en matière d'écologie. Et dans notre projet, bien avant le premier tour, on a proposé d'autres progrès. Pour autant, il faut aller encore plus loin, encore plus vite. Et c'est pour ça que j'ai dit que j'étais prêt à reprendre un certain nombre d'attentes des électeurs de mon adversaire pour plus de nature en ville, plus d'espace pour le vélo dans la ville, plus, je dirais, d'alimentation des Toulousains venant des productions régionales, plus de transformation énergétique dans le sens de la sobriété. Bref, tous les leviers concrets des solutions de l'écologie pragmatique. Voilà. Oui. Avec évidemment c'est vrai, pas uniquement à Toulouse, mais également dans les autres villes, une participation qui a été assez faible, 40% à peu près en fait, ce qui veut dire que 6 électeurs sur 10 ne se sont pas déplacés. C'est un petit peu inquiétant ou pas pour la démocratie? C'est inquiétant, mais à Toulouse, ça a été moins fort qu'ailleurs. C'est-à-dire qu'à Toulouse, la participation a augmenté d'un peu plus de 8% par rapport au mois de mars. Donc on n'a pas été dans la tendance nationale de ce point de vue-là. Alors bien sûr, il y a 45% des Toulousains qui ont participé. 45%, ce n'est pas une majorité. Je suis d'accord avec vous, mais le problème vient de loin. Vous reconnaîtrez que d'élection en élection, on voit les participations électorales baisser. Et ça pose une question, effectivement. Il faut que tous les acteurs de la vie publique, nous nous interrogions pour savoir comment permettre aux citoyens de reprendre confiance, c'est-à-dire de revenir dans le chemin vers les urnes. Est-ce qu'il faut les impliquer davantage, peut-être dans les choix qui sont menés, qui seront opérés à l'avenir, les citoyens, pour leur redonner cette confiance, quoi, les consulter peut-être un petit peu plus avant de prendre des décisions qui sont importantes et structurantes souvent? Mais vous avez raison, mais c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait, c'est-à-dire que depuis des années, le processus de participation citoyenne à Toulouse et ailleurs en France n'a cessé de se nourrir, de se densifier. Et d'ailleurs, vous savez, c'est un paradoxe, hein, parce que je ne sais pas, mais je peux émettre une hypothèse selon laquelle, comme les citoyens sont de plus en plus associés aux décisions pendant le mandat, le jour où il y a le vote, au fond,
ça devient d'une importance relative. Parce qu'ils sont associés tout le reste du temps. Jean-Luc Moudin, on entend un bruit autour de vous, je ne sais pas. C'est des travaux. Il y a des travaux. Ah, c'est des travaux. Christine Bouillot, allez-y pour votre question, oui. Christine. Oui. Non, la ville est en mouvement, elle est en travaux. Elle est en chantier. Non, mais Jean-Luc Moudin, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est hier soir, on vous posait la question de est-ce que vous avez résisté à cette vague verte et pour quelle raison ? Vous aviez le soutien de La République En Marche. Et on a vu qu'à Bordeaux, ce soutien, visiblement, n'a pas été suffisant. En tous les cas, ici, il a su vous servir. Est-ce que ce n'est pas aussi un enjeu pour demain et un avertissement pour Emmanuel Macron, qui avait apporté votre soutien avec La République En Marche ? Alors, j'étais dans une situation particulière, à la vérité, parce que j'avais, dans l'équipe élue en 2014, 5 élus de La République En Marche. Donc La République En Marche était dans l'action municipale depuis 6 ans et franchement, jamais j'ai eu une remarque d'un Toulousain me disant « Oh là là, c'est embêtant que tel ou tel adjoint soit République En Marche ». Ce qui fait que lorsque j'ai composé la nouvelle équipe pour le scrutin de 2020, ben, très naturellement, j'ai repris La République En Marche. Donc je n'ai pas, ouvert la porte de la mairie à La République En Marche puisqu'ils étaient déjà dans l'équipe, simplement. Ils sont venus aux conditions que j'ai indiquées, c'est-à-dire un projet municipal. On n'est pas là pour reproduire dans la mairie les histoires des partis politiques au niveau national. Et La République En Marche a accepté cette règle du jeu. Et c'est pour cela qu'ils se sont, je dirais, fondus dans le combat et que ça n'a pas été un gros problème. Malgré tout, qu'est-ce que Emmanuel Macron doit retirer de ce scrutin, de ces municipales aujourd'hui? Écoutez, je pense que le président de la République, aujourd'hui, mais je pense qu'il ne découvre pas le problème aujourd'hui, il voit bien qu'un pouvoir doit être ancré dans les territoires. Et il n'a pas, du fait des circonstances très particulières de son élection, il n'a pas le parcours classique d'un élu local qui est devenu un élu national. Donc il n'a pas cette histoire. Je pense qu'elle lui manque. Et donc c'est à lui de faire les gestes et de prendre les décisions pour aller vers les territoires et pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'un côté la République d'en haut, à Paris, et la République d'en bas, dans nos villes, dans nos départements et dans nos régions. Et c'est la seule manière, me semble-t-il, pour lui, de pallier le fait que sa propre histoire personnelle, et ce n'est pas une critique que je fais, sa propre histoire personnelle ne lui a pas apporté de mandat politique dans les territoires. Mais comment, Jean-Luc Moudin, comment ça peut se faire très, très concrètement, justement, ce geste ou ces gestes? Il faut qu'il nomme des grands-mères à ses côtés. Qu'est-ce qu'il peut faire pour s'appuyer, justement? Eh bien, tout simplement en donnant suite à ce qu'il a annoncé, c'est-à-dire une grande loi de décentralisation, de déconcentration. Elle est annoncée depuis plusieurs mois, évidemment avec la crise du coronavirus, elle a été retardée. Il faut que cette loi, ce ne soit pas lui qui l'écrive sur son bureau, il faut que nous l'écrivions avec lui. Ouais. S'il accepte que cette loi soit écrite par les régions, les départements, les métropoles, les grandes villes, les communes rurales, bref, par les élus locaux, alors c'est une loi qui réconciliera cette République d'en haut et cette République d'en bas, au détriment d'une certaine hiérarchie administrative française qui pèse beaucoup et qui est de culture très centralisatrice. Il doit maintenir les élections régionales comme prévu ou alors les reporter comme il l'envisage? Je pense qu'il vaut mieux maintenir le calendrier électoral. Vous savez, quand on change le calendrier électoral, tout de suite, ça se retourne contre celui qui change la date. Pourquoi ? Parce que les gens y voient un calcul politique, une manipulation, même si on peut trouver de bonnes raisons. Donc moi, je lui conseillerais de ne pas toucher au calendrier électoral pour ne pas créer des polémiques supplémentaires. Il me semble qu'il y en a suffisamment, des polémiques. Jean-Luc Moudin, quelle première décision forte vous voulez prendre de votre nouveau mandat pour montrer justement aux Toulousains que c'est en évolution et ça change un petit peu ? Ce qui va être fort, c'est que je vais installer vendredi la nouvelle équipe municipale. On va répartir. Oui, mais après, dans les actes. Non, mais bien sûr. L'emploi, peut-être.
Bah, écoutez, la priorité, je l'ai dit, hein, ouais, c'est l'emploi, la santé et la sécurité. Ça veut dire qu'il faut que sur ces trois chantiers, les élus soient en place, en responsabilité à partir de vendredi et puissent prendre des initiatives et que l'on puisse avancer un certain nombre de projets. Par exemple sur l'emploi, puisqu'on sait qu'il va y avoir malheureusement une crise de l'emploi, il faut vite que l'on crée ce que l'on a promis aux Toulousains, c'est-à-dire une plateforme web avec des annonces d'emploi, avec des annonces de formation, qu'on fasse ça dans la complémentarité avec d'un côté la région, de l'autre côté Pôle emploi. Bref, qu'on soit déjà proactif. Ouais. Et sur les transports, un dernier mot peut-être avec vous, Jean-Luc Moudenc, puisqu'il y a cette vague écologiste, que beaucoup d'écologistes demandent à ce que l'on arrête les vols intérieurs en France, hein, qu'on les limite. Toulouse, pour être desservie avec Paris, mais également avec d'autres villes, utilise beaucoup son aéroport, faute de TGV. Où est la solution pour vous ? Ben, la solution, c'est qu'on a deux projets qui sont sur le feu. La LGV, donc il faut qu'on avance là-dessus. Il faut qu'on avance, et là-dessus, c'est au gouvernement, justement, à prendre les décisions que nous proposons. Et puis, la troisième ligne de métro. La troisième ligne de métro, c'est un des projets les plus écologiques de France. Ça va permettre d'enlever 90 000 voitures par jour dans le trafic automobile de l'agglomération toulousaine. Il faut que l'État là aussi soit au rendez-vous pour nous aider au financement de cette troisième ligne et qu'on puisse préparer ce chantier au plus vite. Voilà les deux grands projets écologiques et de nature justement à faire en sorte qu'on respire un air davantage pur. Merci beaucoup Jean-Luc Moudenc, donc maire réélu de Toulouse. Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio. On ne se quitte plus, hein, puisqu'on vous avait jeudi dernier à ce micro en pleine campagne avec à vos côtés également Christine Bouillot. Merci d'avoir été avec nous, et Patrick, on a